qui s'en occupe de l'affaire. C'est un ami. Non, je vais l'appeler, moi, directement. Oui, bien sûr. Bon. Oui, Isabelle. Eh ben, il faut faire dépayser l'affaire. Pardon ? Oui, Isabelle, merci. Qu'est-ce que c'est, ça ? Non, non, j'ai un petit problème, là, à la sortie. Vous pouvez bouger ? Vous pouvez déplacer le scooter ! Bougez ! Mettez-vous sur le trottoir ! C'est pas... J'ai un problème. Vous pouvez déplacer le scooter, s'il vous plaît ? Mais, bah, aidez-moi, au lieu de... Non, c'est pas à vous, Isabelle, que je... Est-ce que vous pouvez m'emmener chez un garagiste? Parce que là, je suis bloquée, je connais personne. Je sais pas que ça à faire, mademoiselle. S'il vous plaît. Désolé. Non, écoutez, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez m'emmener chez un garagiste? Bon, d'accord, montez. Alors. Merci. Non, c'est un petit problème avec un scooter en travers. Oui, Isabelle, je suis sur la route. Non, non, encore signé, les tchats ont... C'est le greffier qui nous a fait suivre la note. Oui, bien sûr. On ne peut pas changer les termes du tout. Du tout, non. Je vous le dicterai plus tard. Oui. Ah, s'il vous plaît, vous pouvez me réserver une table au restaurant La Terrasse ce soir. À quelle heure? 21h. D'accord, je m'en occupe. Parfait. Oui, je vous rappelle plus tard. Je suis sous la neige, là. Je peux vous prendre une cigarette? Vous pouvez baisser la vitre, s'il vous plaît. Merci. Vous revenez d'un voyage d'affaires? Vous savez, dans les aéroports, il n'y a pas que des gens qui voyagent. Oui, il y a ceux qui regardent les autres voyager aussi. Les sages. Elle est silencieuse, hein, cette voiture. Oui. Hein? Oui. Elle est confortable. Vous connaissez les Dianes? Un peu, oui. C'est vrai? Des vieilles voitures de collection. C'est pas les deux chevaux, hein, c'est les Dianes. Non, non. On était tous les cousins, on était dans la Diane, on partait. C'était l'après-midi. On allait cueillir des cerises, on remplissait des cagettes. Et c'est, ça, pour moi, c'est la Diane. C'est l'odeur. Quelquefois, le grand-père Charles nous faisait conduire. C'est comme ça que j'ai appris à conduire. Enfin... Vous allez vite avec cette voiture? Tu peux, oui. Vous aimez ça? Oui, mais c'est toujours limité à 130. Ouais, mais bon... Vous n'aimez pas conduire vite? Non, pas plus que ce qui est recommandé. Oh. Moi, j'adore. J'adore aller vite. Ben, c'est juste là. De quoi? Là, le garagiste le plus proche de l'aéroport. Bah, écoutez, vraiment, merci. Hein. Tristan Fischer. Merci, Tristan. Je vous en prie. Oui, oui, allô, oui, oui, Isabelle, je peux pas vous prendre là. C'est ça, je suis au rendez-vous. Le moins plein. Un autre. Allô. Il est pas mauvais, non? T'es un peu jeune. Bon, alors, tu m'as pas dit. T'es content d'avoir retrouvé la baraque? Oui, ouais. Vraiment, oui. Oui, loin de l'agitation genevoise. C'est un vrai plaisir, calme de la maison. Bah, c'est un vrai plaisir de te revoir aussi. Merci. Ça faisait une paye, attends, ça faisait quoi? Trois ans? Oui, ça fait trois déjà ans. Déjà? Bah ouais, attends, c'est simple. Bah, j'avais pas encore refait la déco. Non, non, mais tu sais, ça fait trois ans. Je suis très, très précis sur trois la ans. Date. Ok. Je te fais conf. C'est Rachel. C'est tout Rachel. Voilà. J'étais bien à Genève, et puis d'un seul coup, c'est fini. Faut changer. Tout change. Donc,
Elle est difficile à suivre, mais... Voilà, faut s'y faire. Ouais, mais tu la suis, hein, malgré tout ça. Oui. Je la suis jusqu'au bout. Bon, je vais y aller, là. T'es sûr? Je suis fatigué un petit peu. Tu m'excuses, je termine pas. T'inquiète. Hé, hey, tu repasses un peu plus souvent, hein, ce coup-ci, hein. On va pas attendre encore 3 ans, non? Allez, à très vite. Tu fais gaffe sur la route? Oui, bonne soirée. C'est très joli, ta déco. Ouais? Non, moi j'aime bien. C'est pas mal. C'est... Non, et puis les couleurs, elles sont chaudes, quoi. C'est ça, c'est ce qu'on peut dire, c'est chaud. Allez, salut, je suis crevé. Où est-ce que vous allez? Il paraît qu'il y a un abribus pas loin. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, quand on est parti chez le garagiste, j'avais tout laissé dans le top case de mon scooter. J'avais mon fric, mes papiers, mon téléphone. Et quand je suis revenue, on m'avait tout pris. Je suis désolé, vraiment. Qu'est-ce que vous comptez faire? Dormir. Je suis un peu fatiguée. Allez, montez. C'est grand. C'est tout en bois. Oui. Il y a une jolie chambre damée qui vous attend. Je vous en prie. Merci. Étudiante? Ouais, c'est ça. Vous préparez quoi? Pas grand-chose. Je vais rarement en cours, j'aime pas ça. Ce sont des choses qui peuvent arriver. Vous avez une idée de ce que vous voudriez faire plus tard? Voyager. C'est qui? Mon épouse. Rachel. Et elle est où en ce moment? En voyage. Elle est en Suisse pour ses affaires. C'est elle que j'ai accompagnée ce matin. C'est elle qui vous a mis sur ma route alors? On peut dire ça. Mais vous la remercierez de ma part. Je n'y manquerai pas. Non, la chambre d'amis est par ici. Voilà. Je m'appelle Anna. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit, Anna. Je te jure que c'est la dernière fois, mais vraiment, là, je suis dans la merde, là. Ouais. Non, mais attends, lui, il m'a planté à l'aéroport avec mon scooter en panne. Mais non, mais tu sais très bien que je peux pas aller chez ma tante. Allez, j'ai nulle part où aller, quoi.
Pauvre mec. Oh, bonjour, ça va? Apparemment, c'est à vous qu'il faut demander ça. J'ai fait du café, vous en voulez? Oui. Si vous avez besoin de quelque chose, je peux vous aider. En fait, si c'est pas trop cher, la réparation de mon scooter, vous pourriez peut-être me l'avancer quand je vous rembourserai dès que je peux. Merci. Merci à vous. Parfait. Merci. Du sucre. Bon, pour la note... Non, c'est rien, je vous assure. Si j'ai une bougie encrassée, c'est rien. Oui, mais je voudrais vous remercier. Et pourquoi? Je voudrais vous faire plaisir. Et qu'est-ce que vous pourriez faire pour me faire plaisir? Eh ben, j'ai une petite idée, mais pour ça, j'ai besoin d'un petit peu d'argent. Bon, 15 euros, ça me suffit. Waouh! C'est pas une technique pour vous faire les poches, hein, vous allez me revoir. Mais même si je vous revoyais pas, ce serait pas important. Oh, c'est pas gentil, ça. Non, je veux dire que cet argent, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Mais je fais toujours ce que je veux. Bon, on se retrouve plus tard chez vous, alors. Je m'ennuie un peu. C'est gentil. Je rentre bientôt, tu sais. Donc... Oui, donc combien de jours? 3-4 jours. Bon, je t'embrasse. Je t'embrasse très fort. Bisous. Au revoir. Oh, mon Dieu. Je peux avoir encore... C'est énorme. Mais non, rien du tout. Ça vous plaît? Bon... À la vôtre. Comment vous faites ça? C'est mon secret. Et hein? Vous avez encore beaucoup des secrets? Pas plus que vous, sans doute. Non, pas du tout, j'en ai pas. Oh oui. Non. Une vieille famille suisse, protestante, 3 frères et fils de pasteur. Et puis vous avez un job qui rapporte. Oh, la maison est à ma femme. Et moi, je suis un tout petit avocat, tout petit. Oh là là. Vous avez des enfants? Non. J'ai toujours trouvé ça super sexy, les pasteurs. Ça a un côté coincé qu'on a envie de décoincer. Vraiment. Enfin, et où? Mon Dieu. Hein? Je vous imagine. Ouais. Je vous imagine en face de mon père. Je suis comment? Parlez-moi de moi. Vivante. Ah bah, on trinque. Au vivant. Au vivant. Au vivant. Et au vivant. Et au vivante. Vous avez regardé. Je rêvais à cette époque-là de monter un groupe de rock, mais des précurseurs. C'est vrai? Oui. Mais pourquoi vous ne l'avez pas fait? Mais je me suis posé cette question. Quoi? Je vous la pose à vous. Moi, je sais pas. Mais vous êtes encore libre de le faire. Ah, non? C'est pas trop tard. L'espoir est indispensable pour la survie. Et c'est comme l'illusion d'avoir choisi sa destinée. Ça permet de progresser. De progresser vers... Vers le bout. Je vous demande. Progresser vers quoi? Progresser vers la mort, quoi. Vers le néant. Écoutez, c'est pas le néant avec un air de rock'n'roll. Oh, j'ai chaud, j'ai chaud, je suis pas j'ai bien. J'ai chaud, mais et moi aussi j'ai chaud. Ça va? Vous êtes fatiguée? Je suis désolée. Il faut... Oh là là. Qu'est-ce que vous faites là? Oh. C'est quoi? Ah, je vais m'allonger un peu. Oh, mon Dieu.
Quoi? Que ce soit une bonne idée? Yeah.